Francisca Sario, bonjour. Donc bonjour. Tu es enseignante au sein du club Krav Maga Coaching, dirigé par David Fitoussi, 5e Darga. Ouais. Donc toi, tu es... Moi, je suis première Darga. Je passe ma deuxième Darga cette année, normalement. J'ai commencé le Krav Maga donc, chez David. Ouais. Ça fait 6 ans donc je pratique. Et donc, tu enseignes depuis combien d'années? Alors, j'ai commencé assez tôt vers la ceinture verte. Donc, avec David, on commençait à donner quelques cours, à faire des échauffements. Et puis, petit à petit, ça vient naturellement. Et l'année dernière, donc, j'ai eu mon diplôme d'instructeur. D'accord. Donc, voilà. Alors, dis-moi, en général, on parle sport de combat, on parle Krav Maga, par exemple. Les gens sont persuadés qu'il n'y a que des hommes. Mmh. On arrive, on voit des femmes, on voit une enseignante. Elle est jeune, elle est jolie, elle fait du Krav Maga, elle est douée dans ce café. Pourquoi pas, les femmes au Krav, c'est très bien justement, c'est censé, le Krav c'est justement pour se défendre, c'est plus pour une population je dirais peut-être féminine, ouais. Et d'ailleurs il y en a de plus en plus, c'est aussi pour les femmes, c'est ouvert à tout le monde, tout à fait. T'as tout de suite... Puis on est vicieuse aussi, hein, y a pas de problème, on met le doigt dans les yeux, J'aimais bien, vous les yeux, t'es devant les yeux, je mange, je perds les ça. Cheveux, bon, ouais. Ouais. Quand t'as commencé Krav Maga, est-ce que t'avais l'impression justement que tu te trouvais dans un univers machiste ou pas du tout? Non, franchement l'ambiance est très sympa, très agréable, les gens sont pas du tout macho, ou ils travaillent avec nous assez facilement, ouais. Donc franchement, non, j'ai pas eu cette impression-là. Donc justement, du fait que tu as une femme qui enseigne majoritairement à des hommes, ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu dois te battre pour t'affirmer en tant qu'enseignant? Forcément, il faut s'imposer, oui, un petit peu. Ouais. Il faut crier un peu plus fort. Après, effectivement, on voit qu'ils veulent pas trop faire des exercices pour des femmes. On peut faire quelques pompes. Il faut savoir se faire respecter. C'est plus compliqué qu'un homme, mais on y arrive. Alors, David me disait, Francesca, elle a un regard de tueuse quand les élèves ne l'écoutent pas. Tu peux nous faire son regard de tueuse? Regard de tueuse, il faut m'énerver pour ça. Bon, on n'arrivera pas à t'énerver aujourd'hui. Est-ce que tu as un message à faire passer à tous les futurs pratiquantes et pratiquants qui veulent rejoindre la Fédération Européenne de Krav Maga? Bah, écoutez, si vous recherchez un sport de self-défense efficace, rapide, ouvert à tous, où vraiment il y a une bonne ambiance et on respecte l'adversaire, venez faire du Krav Maga. Et en plus avec des jolies enseignantes. Et en plus avec des enseignantes super. Merci. Merci.